fait des songs tatoueuses depuis la Finlande. Et nous sommes venus ici avec un groupe pour gagner le meilleur pièce réalistique. Et un show du Zeg. Well, it's the fun, so I knew he would make it work. You know, everything he does, he gives 200%. You know, I knew that he had all his heart into it, and it was going to be a success no matter what. And because everybody respects Stefan so much, a lot of big name tattooers would definitely come to the show, and that would draw everybody in from outside of the country, no matter where it was. It doesn't matter if it's 5 hours into the mountains, like, people will still come. C'est lui qui nous a demandé, en fait, ben, parce qu'il aimait bien nos styles respectifs, qui se rapprochent quand même assez, mais il voulait qu'on, ben, qu'on lui fasse une grosse pièce à deux. Voilà, c'est un collectionneur. On y est depuis 13 heures, donc ça fait, je sais pas, il est quoi, 18 heures là peut-être? T'es content, t'as ton iPad? En une trentaine d'heures peut-être, quelque chose comme ça, c'est pas si mal. Là, niveau coucher, ça fait un petit moment que j'y suis, je suis pas sorti de l'auberge. Là, on fait un Yoda. Et hier, on a fait un Darth Maul. Et en fait, si on a la possibilité par la suite, on fera la cuisse complète. Toujours par Nico, bien sûr. Obligatoire. Pourquoi Nico? Sincèrement, autant prendre le meilleur quand il est là, quoi. Personnage en plus, humilité, travail impeccable, à tout niveau, c'est pour moi, c'est le must, quoi. Il n'y a pas meilleur. Everybody hears about how great the show was. Everybody that was here this year will be here next year, definitely, and a lot more people.